et ça... Là... Parce qu'ils ont, on sait qu'ils ont 200 000 pianistes, on sait qu'ils doivent avoir 50 000 danseurs de très grands talents, non ? C'est ça. C'est ça qui c'est est ça. Assez impressionnant. Et puis des bons professeurs, des bonnes écoles. Oui, oui. L'école de Shanghai vient de rentrer dans le groupe des écoles partenaires. Oui, oui, on avait plusieurs élèves qui venaient de l'école de Shanghai. Oui, qui ont fait le spectacle. Et c'est bien. C'est et bien du point aussi. De vue européen, quelles sont les grandes écoles aujourd'hui, à part Cannes, naturellement ? Cannes, mais bon, c'est vrai qu'il y a la Grande Opéra de Paris, évidemment. Oui. Le Royal Ballet aussi, on vient de voir de magnifiques danseurs. Puis il y a l'école danoise, par exemple, qui a 200 ans de tradition. Il y a l'école de la Scala de Milan. Voilà. Il y a vraiment dans les grands théâtres, il y a de grandes écoles. Évidemment aussi le Bolshoï et en Russie, la grande tradition russe. Vous avez gardé des liens avec le Béjart qui est juste à côté ? Ah oui, ah oui, évidemment. Ouais. Ouais. Quels sont les souvenirs que vous avez de Maurice Béjart ? Ses yeux, d'abord. J'imagine. Ses yeux. J'étais très jeune, très timide, danseuse, encore jeune et timide, mais c'était un peu le début de comprendre des choses différentes. Bien sûr. Il était impressionnant. Ah oui, ah oui. Ouais, ça... C'est sûr. Assez impressionnant. Et puis, des amis aussi. On est rentré dans la compagnie avec Gilles Romain la même année. Alors écoutez, c'est bon, vous allez pouvoir vous rendre sur scène, on vous y attend pour la remise des prix. Savoir le résultat. Oui, bien sûr. Merci de votre obligeance et on vous laisse pénétrer dans les coulisses. Merci à vous. Who contribute so much to the success of this competition. The teachers, the coaches, the musicians, and the committee members. Please welcome them onto the stage and with me show your appreciation for the tremendous work they do. Thank you. Et aujourd'hui, nous avons été enchantés de voir tous ces finalistes extraordinaires sur scène, mais il ne faut pas oublier que déjà de participer au prix de Lausanne, c'est extraordinaire pour un jeune danseur. Nous avions reçu cette année 226 demandes d'inscription, 81 candidats ont été retenus, et à part les 20 finalistes de ce soir, nous avons encore les autres qui sont là et qui méritent aussi nos applaudissements. Je vais leur demander de monter sur scène. Come on stage, please. Come on stage. Each year, in addition to the people we've already mentioned, the Prix de Lausanne depends on the voluntary contribution of 9 jury members, each one a leader in the international dance community who generously donate their time, their expertise and their skills to the Prix de Lausanne. So please welcome onto the stage the 2010 Prix de Lausanne jury. They are the Associate Director of the San Francisco Ballet School in the USA, Lola Diavola.
Elle a été lauréate du prix de Lausanne en 1981. Elle est maintenant maîtresse de ballet à l'Opéra National de Berlin en Allemagne. C'est Christine Camillo. The Associate Director of the Houston Ballet Ben Stevenson Academy in the USA, Shelley Power. Elle est directrice du Ballet National de Chine à Pékin, Madame Chao Ruang. Director of the Palooka Schule Dresden in Germany, Jason Beachy. Il était lauréat du prix de Lausanne en 1996. Il est devenu principal au Ballet Royal de Londres en Grande-Bretagne. C'est Federico Bonelli. The director of the Bavarian State Ballet in Germany, Ivan Lischka. Et il est directeur artistique du ballet contemporain du Théâtre Saint-Martin à Buenos Aires en Argentine, Mauricio Weinroth. And the president of the jury 2010, the former artistic director of the Royal Danish Ballet in Copenhagen, Denmark, Frank Andersen. Now it gives me great pleasure to introduce the president of the Prix de Lausanne's Board of Trustees, Mr. Charles Gebhardt. Mesdames et messieurs, chers amis du Prix de Lausanne, je voudrais remercier sincèrement nos sponsors et donateurs de leur soutien qui nous permet d'organiser ce concours et ainsi d'offrir à de jeunes talents une formation de grande qualité. Je voudrais aussi remercier le public ici dans la salle et les téléspectateurs pour leur soutien, l'encouragement et la fidélité. Cette 38e édition du Prix de Lausanne est particulièrement émouvante pour moi, car c'est le dernier Prix de Lausanne que je préside. J'ai en effet décidé de passer la main à la génération suivante et j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle présidente, Madame Beth Krasna. Thank you, Charles, from all of us for all the work you've done. A warm welcome to Beth. And finally, please welcome the wonderful young artists you've seen performing today, the finalists of the 2010 Prix de Lausanne. Et maintenant, c'est vraiment la remise des prix. Le premier prix qui va être remis ce soir, c'est certainement celui qui vous touche, vous, cher public, le plus à cœur, puisque c'est vous qui l'avez décerné. Et le décompte de vos votes a indiqué que le lauréat de ce prix du public ce soir est un élève de la Houston Ballet Ben Stevenson Academy, Christian Emmanuel Amuchastegui.